Peggy 16. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va de votre côté. Alors, petit malin, il est en train de s'entraîner, le petit. Donc, je vais un petit peu afficher ses états. Comment ça se passe? Allez, entraîne-toi, tu vas devenir le plus fort de tous. Allez, encore, pousse un peu. Allez, vas-y, beau gosse, montre-nous. Ah, il fait tout, lui, d'accord. Donc, elle fait du sport, hein. Ça me choque, ça, Laura. Elle est sérieuse? Des fois, il m'impressionne, en fait. Tu vas courir un peu pour pousser tes limites et après tu vas commencer à retourner à la maison. Parfait. Maintenant on s'en va. Je commence le boulot dans pas longtemps. Retour à la maison. Allez à la maison. Comme ça je vais lui faire manger un petit coup. Donc moi bien évidemment j'habite dans le dernier truc. Retourne dans ta toute petite maison, s'il te plaît. C'est trop marrant parce que tu la vois, en fait, elle est vraiment petite. Mais en tout cas, c'est comme ça, en fait, que on pourra mieux rebondir. Hein. Si je fais un palais tout de suite, je ne pourrai pas, en plus. Donc, je vais lui faire rapidement nettoyer. Et là, tu vas te prendre un truc dans le frigo rapidement. Manger un repas rapide, je sais pas. Tu vas prendre un yaourt hein, en attendant. Après, le social, bon, bah, c'est pas trop intéressant. Tu vas aller faire un petit tour aux toilettes. Et après, tu vas payer les factures. Ce sont les factures, en fait. J'ai même pas de boîte aux lettres, en fait. Ah, ils l'ont mis derrière ma boîte aux lettres. Fou, ça fait mal, quand même. Hein. Et prendre son courrier. Donc, j'espère que je vais être dans les temps. Normalement, c'est bon. Il commence dans pas longtemps. Ça y est, on est un homme honnête, on a payé nos factures. Vous avez vu? Il est bien. Il est prêt pour aller au boulot, regarde. Voilà. Allez, ramène encore 200$, s'il te plaît. Ah, il est tendu. Il est tendu. Il va nous faire une, une crise au boulot. D'accord. Donc, c'est un vrai sportif, celui-là. Il aime bien le foot, hein. Par contre, la musculation, elle est pas trop fun, je crois. 200. D'accord. Ça va, ça paye quand même bien. Hein. Ils te disent que ça paye bah, 20 machins, mais en fait, ça paye 200. Hein. Donc, là, après, peut-être qu'il va être pourvu. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de faire quand même monter au niveau des carrières un peu haut. Donc là, l'hygiène, par contre, il cocotte un peu le petit. Mais avant ça, on va le faire un peu s'entraîner encore. Donc, le sac de frappe, il va en manger beaucoup. Allez, petit malin. Je pense que là, il est bien. Allez, tape-moi tout ça. Ah, il est mal à l'aise. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'inquiète pas, l'hygiène, tu vas l'avoir dans pas longtemps. Allez, maintenant, prends ta douche. J'aurais dû faire inverse, mais c'est pas grave. Fais pipi. Et après, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ah, comment il cocotte, regarde comment il cocotte. Tu cocottes trop, t'es fou. Tu pues. Le mec, il cocotte à fond. Regarde comment il chante. Bon, ça y est, tu chantes plus dès que j'arrive. Hein. Quel petit malin. Ouais, mais il va se doucher combien de temps, lui? J'aime bien comment ils font pipi en fait avec leurs vêtements et tout. Non mais je me demande comment ils font en fait. Mais bon, ça m'en regarde pas, c'est leur histoire. Par contre mon petit, tu vas pas dormir comme ça parce qu'après ça va être vraiment pas bon. Voilà, il regardait quoi là? Qu'est-ce qu'il m'a consommé? 3$? Bon, tu l'as mérité. Je l'avoue, tu l'as mérité. Ah, il est parti se faire un plat. Eh, trop fort, il est parti se faire un plat. Attends. Manger un sandwich fondu. T'es mignon, toi. Tu te fais un sandwich, mais tu le manges pas. Encore un peu, vas-y. Récupère toute l'énergie.
Je suppose dans combien de temps en fait? Dans 2 jours. Oh, ça va. Faut vraiment que je trouve un travail où il bosse vraiment tous les jours finalement. Attends. Parce que c'est pas intéressant de lui faire bosser dedans. Acheter un magasin. Ah bah purée. Acheter un service. Démissionner. Acheter un service. Qu'est-ce qu'il nous propose en fait? Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Hein. Allez, appel. Je suis curieux de savoir quel service ils ont ajouté. J'espère que c'est pas toujours les mêmes. Hein. C'est quoi ça? D'accord, ne coûte rien. Ça c'est bien ça déjà. Mais j'ai pas de table de massage. Et après ça nous coûte combien? Ah ouais. Ouh là là, ça réveille par contre. Hein. Donc là je pense que t'es vite ruiné en fait. Régulier t'es encore plus. Ouais. D'accord. Bon bah c'est pas intéressant. Donc démissionner, acheter un magasin. Ça coûte combien un magasin par curiosité? Juste on va voir les prix hein, par curiosité. Je pense que ça doit être de les 50 000, 50 000, 100 000, hein. Facile, hein. Donc les magasins sont où? Non, tu peux pas en fait acheter tout ce que tu veux, hein. Oh, comment faut passer du temps en fait à obtenir de l'argent. Non, je pense pas que tu peux acheter de magasin ici dans un premier temps. Peut-être que je vais changer un petit peu de zone. Ça c'est ma grosse maison. Je crois que tu peux acheter ça. Non, ça tu ne peux pas. Non plus. Non plus. Donc ça c'est bien parce que c'est vierge. Mais ici en fait ce qui est bien, c'est qu'après je pourrais retourner dans le spa en fait. Le spa il est là en fait. Ça c'est cool ça. On va essayer de faire un petit tour un peu plus tard là-dedans. Mais là en tout cas on a fait notre petit spa et on va voir si ça rapporte de l'argent aux autres aussi. On va voir, on va voir. Donc pour l'instant ouais le magasin c'est pas nécessaire. Mais je pense que je vais lui changer de travail parce qu'il bosse pas beaucoup, il a trop de jours de repos en fait. Bon c'est bien dès qu'il aura une copine mais pour l'instant c'est pas trop ça quoi. Donc performance ça va, ils sont à fond. Lire des livres. Mais ça coûte cher une bibliothèque aussi, hein. Bon là le pauvre il est vraiment fatigué, je vais laisser se reposer. Il est tout tristouné en fait. Et après on va essayer de lui faire un peu bosser. On va le faire déplacer un peu. Ça y est, repose-toi de toute façon aujourd'hui. Tu ne bosses pas. 8 h du matin, j'aime bien, t'es trop à l'heure toi. Ça c'est bien. Utilise les toilettes s'il te plaît. On va se prendre quand même un truc pour manger pour la journée. Prends le petit déjeuner. Brouillé, ça suffira. Hein. Comme ça, je le mets bien aujourd'hui. En plus, c'est bien parce que ça lui donne un petit peu l'avantage de pouvoir. Regardez comment il absorbe la barre en fait verte. De créativité. C'est bon à vous quand même, hein. Juste tu nettoies les deux trucs que t'as laissés. Parfait. Je crois qu'il y a un truc pour sortir la poubelle. Non, vider la poubelle, non, c'est bon. Maintenant, on va te faire sortir un peu. Donc, il a tout ce qu'il veut. Parfait. On va faire un petit tour. Se déplacer avec, c'est pas nécessaire. Allez, c'est parti, viens. On va changer d'endroit. Je vais beaucoup jouer comme ça aussi, à hein, lui faire changer un peu d'air. Hein. On va lui faire un petit peu lire des bouquins. C'est sa journée de repos. Une petite bibliothèque ne lui fera pas de mal, je pense. Allez, vas-y, mon petit panda. Tu vas étudier beaucoup de choses. Donc, nous sommes arrivés. Ah bah tiens, il y a un ordinateur du coup, c'est bien. Jouer web, carrière, écrire. Tiens, ça peut être sympa ça. Et après on va lui mettre lire quelque chose. Ah, j'aime bien finalement tout ce qu'il peut y avoir en fait dans les bibliothèques. Vu que j'ai pas beaucoup les moyens,
Ça me permet de bien me divertir en fait. Regarde qui vient en face de moi. Regarde là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a, il a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu marques en quelle langue, toi? Regarde là. Ah, elle fait la même chose que moi, en fait. C'est sympa, quand même, comme bibliothèque. Il y a beaucoup de monde, hein. Ah, ils ont même mis les toilettes. Ils ont tout mis, en fait. Ça, c'est bien, ça. Bon, t'as besoin de quoi? Du social. Mais t'inquiète pas, tu vas en avoir. On va parler rapidement avec la fille. Comme ça, ça va être sympa pour lui. Je vais bien les mettre en fait. J'accélère un peu. Voilà, comme ça, récupère un peu de social. Voilà, c'est bien. Vous voyez, c'est ça qui est bien de bouger un peu dans ce genre d'endroit. Ah, il va passer toute la journée par contre dedans. Au moins, ils vont avoir des points en commun. Parce que vu qu'ils sont dans un endroit un petit peu. Voilà, le social, c'est un petit peu. En même temps qu'il apprend à écrire. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça lui permet aussi de pouvoir remonter pas mal ses barres un petit peu à côté. Tiens, on va parler un peu avec la voisine. Hein. Même si après, je ne m'intéresse plus vraiment à une rencontre éventuellement. Mais c'est au cas où, quoi. Je me fais des copines. Parce qu'être tout de suite en couple, elle va me ruiner la personne. Hein. Faut aller progressivement, faut pas être pressé. Ça c'est bien. Il a encore sur ordinateur, il apprend. Des fois je comprends rien à ce qu'ils se disent en fait, hein. C'est ça qui est marrant. T'as besoin de quoi? Alors, t'es des centres d'intérêt, c'est où ça? Voilà, comme ça, il va être content. Je vais faire du sport après. Allez courir. Ok, pas de soucis. On va sortir, on va aller courir. Donc, allez courir. Ah, ça, tu l'as pas, par contre. Allez courir. Bah, pour le moment, quoi. Faire un exercice, ouais, c'est toujours les mêmes, en fait, qui sont proposés pour le moment. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave, on le fera après. Donc, là, il est bien. Il est 17h bientôt. Donc du coup là-bas elle avance bien aussi à elle, amical. Ah, c'est pour se faire beaucoup de copines en fait dans le jeu. Hein. On va bien rigoler, je vous le dis moi. Par contre il y a quoi l'étage par curiosité, parce que ça j'ai pas forcément vu. D'accord, en fait t'es un peu plus au calme ici. Ok d'accord. Il y a encore un autre étage. Ouais mais ils l'ont pas fini en fait. Oh les malins. Ils l'ont pas fini en fait. D'accord. En tout cas, vous avez vu, c'est plutôt sympa hein. On va le faire sortir pour aller à la maison. Se déplacer. Et ben voilà. Allez mon petit. Faut sortir maintenant. Donc dès qu'il décidera d'arrêter de parler, on le fera sortir tout de suite. Allez, faut qu'il sorte. Mais il est passé où lui? Sérieux, je sais plus où il est en fait. Il veut plus sortir de cette bibliothèque. Hein. Il ne veut plus. Ah, enfin.
Ah d'accord, il a des compétences de jardinage. Je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous. Oh le malin.